be like, there she go. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. J'espère que vous avez passé surtout un bon week-end, parce que le week-end s'est bien passé pour les Lyonnais, évidemment. Vu le mauvais temps lyonnais, la pluie, on va pas parler de tout ça, mais en parlant de ce match contre Monaco qui est venu se déplacer à Lyon, Monaco était un gros match, parce que Monaco ils ont voulu venir à Lyon juste pour exploser les Lyonnais, juste pour montrer qu'ils sont bien deuxièmes, mais non, ça s'est pas passé comme ils ont voulu, les Monégasques. C'était un match très 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 dur, mais on va dire un match à flinguer, vraiment clac clac clac. C'était vraiment un match à flinguer, puisque sur le but de Ben Yedder, un très beau but, bon, je veux le dire la vérité, hein. Je veux dire la vérité, le but de Ben Yedder, un très très beau but qui a été refusé. Et le match était quand même très tendu, puisque pour une fois, je vais être content des Lyonnais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, je suis fier de l'Olympique Lyonnais, car l'Olympique Lyonnais s'est battu, ils ont mis les points, ils se sont battus, et ça fait vraiment plaisir, ça tient au cœur que vraiment ils se sont battus. À 1-0, Monaco était déjà bien pour gagner le match, voire à un moment on a senti que Monaco pouvait même gagner le match, mais les Lyonnais se sont battus à 2-2. Et même on a arraché la victoire, 3-2, et franchement, c'est incroyable. Il faut dire la vérité, félicitations aux Lyonnais, parce que franchement, même si Lyon est 8e aujourd'hui, alors que je vous parle, en ce moment, les Marseillais sont en train de jouer et gagnent 1-0 contre Lens, donc ils seront devant nous, évidemment. Les Marseillais, c'est nos ennemis, enfin les dauphins de Lyon, c'est les deux ennemis, Marseillais et Lyon, donc voilà, il faut dire les choses. Là, je dis les choses, les Lyonnais et les Marseillais, on veut une place Europa League, évidemment, c'est ce qu'on cherche. Donc, on se bat, évidemment, pour avoir une place en Europa League. Pour le moment, les Lyonnais se battent bien, mais il suffit juste d'un faux pas d'une équipe pour perdre une place en Europa League, puisque maintenant, il faut terminer au moins 5e pour avoir une petite place Europa League, même en conférence, c'est déjà pas mal, mais être européen l'année prochaine, ce serait le top pour Lyon. L'Olympique de Marseille qui a une finale à jouer bientôt, une demi-finale, je veux dire, à jouer bientôt, et peut-être va être en finale de cette Euroconférence, Europa League, je dirais, ouais, Europa League. Et l'Olympique Lyonnais qui se bat, et franchement, aujourd'hui, c'était un très beau match. Olympique Lyonnais face à cette belle équipe de Monaco qui était vraiment venue à l'intention de venir à Lyon pour décrocher les 3 points. Mais ça ne s'est pas fait comme prévu. Franchement, on se battrait toujours. Vu que Lyon est sorti de la zone rouge aujourd'hui, c'est fini. On n'en parle plus, la zone rouge. Ça fait un moment qu'on n'en parle plus du côté lyonnais. Du coup, il n'y a plus de Ligue 2. Lyon va rester en Ligue 1 et ça fait plaisir. Et maintenant, essayons d'accrocher une petite place Europa League, peu importe, conférence Europa League, peu importe, mais...